Entre 1989 à 2000, José Bové a été marié à Alice Monnier, et cela ne s'est pas terminé de la meilleure des façons. Celui qui célèbre justement son 70e anniversaire, ce dimanche 11 juin, avait fait la rencontre d'une autre femme, un épisode douloureux pour Alice Monnier, qui avait connu le militant écologiste lorsqu'il était encore étudiant. Après 30 ans de vie commune, elle s'était épanchée sur leur rupture dans la presse. Je suis donc Alice Monnier, l'épouse de José Bové, et celui-ci m'a quitté début juin pour une nouvelle compagne, notait-elle dans l'édition d'octobre 2000 de Campagne Solidaire, le magazine de la Confédération Paysanne. Alors surnommée l'épouse licenciée, Alice Monnier n'avait pas hésité à dénoncer le non-soutien de la Confédération Paysanne dont son ancien compagnon était justement l'un des fondateurs. Elle avait alors accusé le syndicat d'utiliser la sphère du privé, si est-ce à dire les sentiments, la mise en scène du quotidien, pour son plus grand profit. Une agricultrice au Pays Basque avait alors expliqué à nos confrères du Monde, dans un couple, surtout chez les agriculteurs, si le partage du travail n'est pas égal entre l'homme et la femme, s'il n'y a pas un bon équilibre, si est-ce sûr qu'à long terme, il y a de la casse. La lettre d'Alice n'était donc pas une vengeance mais une invitation à la discussion, surtout que dans toute cette histoire, il y avait leur fille, Marie, née en 1975 et Hélène, née en 1978. Droit d'auteur JLPPI José Bové, Salon du Livre de Mouansartou 2016. Le 8 octobre 2016, Alice Monnier, soutien jusqu'alors indéfectible de José Bové dans la tourmente, José Bové avait pu compter sur Alice Monnier. Celui qui avait démonté le restaurant McDonald's de Millau en 1999 et qui militait contre l'utilisation des OGM avait une personne à ses côtés pour prendre sa défense. Alice Monnier avait même estimé avoir toujours apporté sa pierre au mouvement et vivait donc leur séparation comme une injustice, notait Le Monde. Crédit photo, Cédric Perrin.